Salut, t'es en forme? Bon, on va faire des maths. On calcule des différences. Ouais, des différences. Cookies. Cookies, t'aimes bien? Tu sais ce que c'est une différence? Oui, c'est ça. C'est le résultat d'une soustraction. Mais là, on va pas écrire la soustraction. Arrêtez! Ça y est, ils veulent prendre la vedette. Ils sont fatigants. Hein. Alors oui, effectivement, on va faire des soustractions. On a déjà fait il y a longtemps. Et on reprend. Voilà, c'est Pâques. Et poussez-vous. Alors, c'est une histoire de jetons. Hein, comme toujours, une histoire de jetons. Donc, Dédé a des jetons. Il les a dessinés. Non, ce ne sont pas des cookies, ce sont des jetons. Et Pigby a des jetons. Lui, il les a rangés. Quand il y avait une dizaine, il les a mis dans une boîte. Ça, c'est une boîte de 10 jetons. Dédé, lui, il entoure les 10 jetons. Tu les vois encore. Pigby, lui, il les range dans une boîte. Alors d'abord, on se demande combien Dédé a-t-il de jetons. 10. Et 10 et 4, 24, facile, ça c'est un truc qu'on sait super bien faire. Ici, Pigby, lui, il en a une dizaine et 4, il en a 14. Ok, c'est pas trop compliqué. Entour ou barre, on te demande qui a le plus de jetons. Qui a le plus grand nombre. Ben, elle répond oui, si tu montres, c'est qui. C'est qui? Oui, c'est Dédé. Donc c'est Dédé qu'on entoure. On entoure Dédé. Ouais, j'avais raison. On barre Pigby. On barre, ils ont autant de jetons que les autres. Et maintenant, la chose un peu plus difficile, c'est de dire quelle est la différence entre les deux. Pousse-toi, Wistiti. Pousse-toi. Pousse-toi. Alors, la différence entre 24 et 14. C'est une petite. Tu me laisses répondre. C'est. Arrête, oui, c'est. Donne la réponse. C'est une dizaine. Oui, c'est une dizaine. Il y a une dizaine de différences, c'est-à-dire 10. Donc, dans le nuage, j'ai écrit 10 de différence. J'en fais encore un avec toi. Alors, Dédé, il a 10, 10 et 4. Bah, toujours 24. De toute façon, tu vas avoir toute la feuille, il a 24. Pigby, lui, il a... Rends-moi mon stylo. Rends-moi mon... Ah. Tu veux le faire? Bon, alors vas-y. Il a combien, Pigby? Il a 10, 10, et il a 9 jetons, ça fait 29. Bah oui, bah faut que tu l'écrives là. Écris-le là. Là. Là, t'écris. Oh, pas terrible ton écriture aujourd'hui. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Non mais. C'est pas beau, hein? Oh là là, j'espère que les enfants vont écrire mieux que toi. 29. Donc, oui, il faut que tu t'entraînes un petit peu à écrire. J'ai la tête. Alors, qui a le plus grand nombre de jetons? Oui, Titi, allez, boude pas. Cette fois-ci, c'est Pigby. Oui, alors on barre ses Dédé, on entoure ses Pigby, on barre, ils ont autant. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre 24 et 29? Ben là, regarde, t'as 24 comme ça. Donc la différence, c'est ici. 5. Et regarde, si tu fais le plus grand nombre, hein, 29, c'est les jetons de Dédé plus la différence. Ça va être compliqué pour les enfants de comprendre avec tout ce bazar. Ça fait 29.
Ok, bon, ils ont compris. De toute façon, ils en ont déjà fait. Voilà, hop là. Attention, je retourne la paille. Oh, ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu de caméra. Mais oui, ça y est, on t'a vu. Arrête. C'est les feuilles qu'on regarde. Ce sont les feuilles. Ouais. Alors, regarde, parce que là, alors là, c'est difficile. Là, c'est super difficile parce qu'on fait le film à l'envers. Tu regardes ici, il y a les réponses. D'accord, il y a les réponses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut remonter le film. Grâce aux réponses, il faut trouver ce qu'il avait dessiné avant. Donc ici, tu as deux informations très importantes. Qui a le plus grand nombre? On te dit c'est Pigby qui a le plus grand nombre. Donc c'est lui qui a le plus grand nombre. Donc il a plus que Dédé. La différence est de 5. Donc Pigby a 5 billes de plus que Dédé. Autrement dit, Dédé a 5 billes. D'ailleurs, je dis des billes, c'est des jetons. 5 de moins. 5 de moins. Alors déjà, Pigby, il a combien? 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça va être plus calme avec toi, Lilou. Oui, je suis contente de revenir te voir. Et les CP ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu. Oui. Alors, mais c'est difficile, là, tu sais ce qu'on fait. Oui, je sais, c'est difficile. C'est le film qui remonte à l'envers. Oui. Donc là, j'ai dit 26. 26. Et Dédé, il en a 5 de moins. Donc, il en a moins. Ben oui, il en a moins. Donc, il ne peut pas avoir plus que 26. Ben non, il ne peut pas. Il a moins que 26. Alors, 26, il a 5 de moins. 1, 2, 3, 4, 5 de moins. Donc, il en a 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 et 1. Alors, ben, maintenant qu'on a fait le film à l'envers, on va le refaire à l'endroit. Dédé, il a 21 jetons. Pigby, il a 26 jetons. C'est Pigby qui en a le plus. Et il en a 5 de plus. La différence est de 5. Entre 21 et 26, il y a une différence de 5. Alors celui-ci, il va être moins difficile parce que, regarde, l'information, c'est que ils ont autant de jetons l'un que l'autre. Il y a 0 de différence. Donc Pigby, comme il en a 10, 20 et 9, 29. Dédé, il en a autant. À toi de les dessiner. J'ai passé cookies dans la machine à rétrécir. Vous prenez trop de place. Alors, troisième film à l'envers, on a la fin. C'est Dédé qui a le plus grand nombre de jetons. Et la différence est de 3. Donc, ça veut dire Dédé a 3 jetons de plus que Pigby. Tu cherches combien Pigby a de jetons. D'accord? Ça, c'est fait. Dédé en a 3 de plus que Pigby. Donc tu as plus de jetons ici que là. Tu en as 3 de plus. Dessine-les, écris, et puis tu refais le film. Dédé a jetons. Pigby a jetons. C'est bien Dédé qui en a le plus. Et la différence est de 3 jetons. Voilà. Demain, quel jour on est? Je ne sais plus quel jour on est. Oui, on est jeudi. Demain, tu auras une feuille avec... j'étais venue. Avec 6 exercices comme ça pour t'entraîner. Il n'y aura pas de vidéo. Donc, si tu as du mal, tu reprends cette vidéo. Voilà.